Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en pleine forme. Salut Joël. Donc aujourd'hui, le cours se fait avec le bâton. Donc manche à balai ou bâton. Après, si vous n'avez pas de bâton, pas de manche à balai, vous faites sans, hein, pas de problème. Et puis, comme d'habitude, le tapis, le petit coussin, la petite bouteille d'eau pour vous hydrater. Salut Françoise. Salut Nicole, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va faire le cours avec le bâton, vous manche à balai, tout le monde arrive. C'est Dominique, salut Annick, salut Edith, c'est Brigitte. On reprend doucement, on a déjà repris doucement la semaine dernière. Non, non, ça va aller encore aujourd'hui. Ça devrait bien se passer. C'est Christine. Salut Sophie. Salut Anne, salut Réginald. Donc aujourd'hui, on va utiliser le bâton, le tapis comme d'habitude, forcément, le petit coussin, la petite bouteille d'eau, hein, si vous voulez vous hydrater pendant le cours. Salut Laurence. Donc là, vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. On va commencer en position debout, le bâton entre les mains. Je vais remonter un petit peu. Salut Christine, salut Martine. Donc le bâton entre les mains, les pieds écartés auprès, largeur du bassin. On déroule un petit peu ses genoux, on place le bassin en position neutre. On a à peu près les épinières et le pubis à la verticale. Ensuite, on va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, pardon. Et puis on va abaisser un petit peu les côtes en engageant ses obliques pour trouver un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale. On ouvre un petit peu les épaules, on glisse les points des omoplates sur les poches du pantalon, hein, pour abaisser un petit peu ses épaules. On allonge légèrement sa nuque, hein, on regarde loin devant, on va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement et j'expire par l'arrière-gorge, oh, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler, hein, simplement les côtes qui s'ouvrent sur l'inspire et qui se referment sur l'expire. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond et sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Concentrez-vous sur le glissement de vos omoplates. Encore deux répétitions. La dernière. On garde les épaules basses, nuque longue. On va inspirer, monter bras tendus à hauteur de la poitrine, puis on expire, on redescend doucement. Attention que les épaules ne remontent pas. On fixe bien les épaules, les omoplates. Toujours votre centre engagé.
et on cherche la fluidité. J'inspire en montant, j'expire en redescendant. Encore deux répétitions. La dernière, on garde les bras tendus à hauteur de la poitrine. Vous allez pouvoir écarter un petit peu les mains de chaque côté. Vous allez pouvoir inspirer, tirer les coudes vers l'arrière. Les coudes sont levés à hauteur de vos épaules et vous expirez, vous repoussez devant. J'inspire, je tire derrière, je resserre mes omoplates et j'expire, je repousse devant. J'inspire, j'expire. Toujours votre centre. Donc les coudes restent levés. Attention que les épaules ne remontent pas. J'inspire, j'expire. Encore deux répétitions. La dernière. On garde les bras tendus. On va resserrer un petit peu les mains, largeur des épaules. Donc là, on va combiner deux mouvements. On va inspirer, monter les bras dans le plafond. Donc n'allez pas trop le départ. On expire, on incline légèrement côté droit. On va pas trop bas non plus. J'inspire, je reviens. J'expire, je redescends autour de la poitrine. J'inspire, je monte. J'expire, j'incline. J'appuie toujours autant pied droit que pied gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, j'abaisse. Un petit mouvement. Je monte tranquillement, on incline légèrement en se grandissant, hein, cherche vraiment l'auto-grandissement. On redescend, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je monte, j'expire, j'incline, j'inspire, j'expire. Le mouvement est fluide, hein. Vous montez tranquillement sans que les épaules remontent, vous inclinez tranquillement le buste. Ensuite, on revient à hauteur de la poitrine. J'inspire, j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Les côtes restent bien abaissées, toujours votre centre engagé. On redescend hauteur de la poitrine. On le fait encore une dernière fois de l'autre côté. J'expire. On redescend, on relâche un petit peu. On garde le bâton au niveau des cuisses. Donc là, on va, je vous montre, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. On va fléchir donc les genoux, on va descendre tranquillement, je fais glisser le bâton sur mes cuisses, je fléchis légèrement les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière, le dos bien droit, d'accord? Et je remonte tranquillement en position de départ, en position. On expire, on descend, on pousse les fesses vers l'arrière, dos bien plat, la nuque est longue et j'inspire. J'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche, on expire, on fait glisser sur les cuisses, on s'arrête au niveau des genoux et on revient. Les bras restent tendus, j'expire, poussez bien les points des fesses vers l'arrière et on revient, comme si on cherchait à venir s'asseoir sur le bout d'une chaise. Et on revient. J'expire. Donc on fléchit légèrement les genoux, pas trop non plus. Hein, c'est pas un squat, c'est pas des flexions de jambes. On fléchit un petit peu, on pousse les fesses et on revient. Encore deux fois. Oh, toujours votre centre engagé. On le fait encore une dernière fois. On garde la position. Donc soit vous mettez le bâton au niveau de la poitrine, hein, plus facile, soit le bâton au niveau de la nuque derrière, plus difficile. Hein, ça demande de la souplesse au niveau des épaules, comme vous pouvez. Donc une fois que j'ai positionné le bâton, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau de la nuque, hein, je garde la position du buste. Et là, vous allez pouvoir allonger tranquillement les bras et on revient. Donc, j'inspire, j'allonge doucement et j'expire, je redescends. J'inspire, j'allonge doucement les bras. Ça tire trop de passer le bâton devant. J'inspire, j'allonge dans le prolongement du buste et j'expire. Toujours en poussant les fesses vers l'arrière, votre centre engagé. On allonge tranquillement, vous pouvez passer derrière. Après, vous pouvez alterner une fois devant, une fois derrière si vous voulez. Contrôlez bien votre mouvement. Donc, j'inspire, j'expire. Toujours votre centre, hein. Encore deux répétitions. La dernière. On redescend tranquillement. On remonte tout doucement. On relâche un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir placer le bâton dans la main gauche. Donc là, les pieds écartés à peu près largeur du bassin. On va prendre appui sur le bâton. Ne mettez pas tout le poids du corps sur le bâton. Hein, c'est juste pour vous équilibrer au cas où. Hein. Donc là, on va simplement placer le poids du corps sur le pied droit. Décoller le pied gauche et on va faire un mouvement de pédalage avec la jambe gauche. C'est-à-dire que je vais inspirer, monter mon genou. Je vais allonger ma jambe légèrement en avant du buste. Ensuite, j'emmène, j'ai mon pied flex, j'emmène ma jambe derrière. Et ensuite, je reviens, je remonte genou. Et on fait un mouvement de pédalage. Donc, n'allez pas trop vite, vous contrôlez le mouvement. J'inspire, je monte genou. J'expire, j'allonge pied flex sans reposer. Je passe derrière et je reviens. Et je contrôle. Donc, bien passer dans l'axe de votre hanche. Concentrez-vous sur l'équilibre sans mettre tout le poids du corps sur votre bâton. J'expire, on passe derrière, on revient. N'allez pas trop vite, contrôlez bien le mouvement. On passe légèrement derrière, on déplie, on passe devant. Encore une dernière fois.
Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc le pied est flex, hein. Hop, je remonte, je fléchis, je déplie légèrement en arrière du buste, je ramène tendu et je reviens. Pareil au niveau de la respiration, vous inspirez en montant votre genou et vous expirez sur le mouvement. Je passe derrière, je repasse devant et je contrôle sans mettre le poids du corps, hein, sur votre bâton si vous pouvez. Contrôlez votre mouvement. Il y a un travail qui se fait également au niveau du moyen fessier, hein, pour stabiliser votre bassin. On cherche la fluidité. Encore deux fois. Mouvement circulaire, mouvement de pédalage, et vous allez pouvoir reposer. On change de côté, donc même principe. Toujours votre bassin en position neutre, votre centre engagé. On a l'appui sur le pied gauche. On décolle légèrement le pied droit. Donc là, pareil, je monte genou et j'expire. Je déplie ma jambe, pied flex. Je remène légèrement derrière. Ensuite, je fléchis, je remonte et je déplie. Donc, mouvement de pédalage, mouvement circulaire dans l'axe de votre bassin. Partez bien de votre centre. Hein. Donc, on passe devant, on passe légèrement derrière. N'allez pas trop loin devant, pas trop loin derrière non plus. L'important, c'est que le bassin ne bouge pas. Concentrez-vous sur l'équilibre. On cherche toujours l'alignement du corps, hein, cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Et on cherche la fluidité sur le mouvement, sans mettre tout le poids du corps sur votre bâton. Hein. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. Le dernier, on change donc le sens, rétro-pédalage. J'inspire, je monte le genou. Bien monter dans l'axe si vous pouvez. On déplie légèrement derrière, on ramène tendu, on revient. Le pied reste toujours flex. Hein. C'est-à-dire qu'on relève le dos du pied. Et je contrôle. N'allez pas trop vite. Hein. Contrôlez le mouvement. C'est calé sur votre respiration. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. Le dernier. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Ensuite, on va faire des flexions de jambes, des squats. Les pieds écartés de largeur du bassin, pieds parallèles. Donc, soit vous pouvez placer le bâton devant, soit au niveau de la nuque, hein, si vous pouvez. Donc, il ne s'agit pas donc d'appuyer sur votre nuque. Hein, il faut bien le placer sur votre trapèze derrière. Ça tire trop sur les épaules. Vous allez pouvoir le placer devant vous au niveau de la poitrine. Donc là, on imagine avoir une chaise derrière. On va faire des flexions de jambes. On imagine la chaise. On vient s'asseoir sur le bout de la chaise. On descend tranquillement. Et on remonte doucement. On va expirer en descendant volontairement. J'expire, je descends. Et j'inspire. Petit mouvement départ. Hein. Sinon, vous pouvez mettre devant au niveau de la poitrine. Voilà. Et on repousse tranquillement. Donc, on descend tranquillement et on repousse. S'il n'y a pas de problème de genou, vous pouvez descendre cuisse à l'horizontale. Hein. Sinon, vous ne forcez pas. D'accord? C'est vraiment avoir le poids du corps sur vos talons vers l'arrière. Et c'est vraiment appuyer autant pied droit que pied gauche. Pensez toujours à votre centre. Hein. Les côtes restent bien abaissées et je contrôle. Donc, je contrôle en descendant et je contrôle également en remontant. N'allez pas trop vite. Encore deux répétitions, toujours un mouvement fluide. La dernière, on va rester en position basse. On maintient la position, toujours votre centre. Une dernière respiration thoracique. On remonte tout doucement. On décontracte un petit peu, on replace les pieds à largeur du bassin, on va replacer le bâton devant, les mains écartées largeur des épaules, on fléchit, on dérouille un petit peu ses genoux, on va faire des enroulés. On imagine avoir le mur derrière, on va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule cervicale, dorsale, lombaire. On laisse partir ses bras, on creuse son ventre, on regarde son nombril. J'inspire, je stabilise et j'expire. Je creuse le ventre, je déroule tout doucement lombaire, dorsale, cervicale. J'inspire à nouveau, on laisse partir ses bras. On creuse son ventre, on regarde son nombril, j'inspire, je stabilise et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale. À nouveau, on enroule tout doucement, on laisse partir ses bras, j'inspire, j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale. À nouveau, on laisse partir ses bras, on creuse son ventre et on déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale. À nouveau, j'expire, j'enroule. Donc, s'il n'y a pas de problème lombaire, hein, vous descendez de plus en plus bas. Pensez que vous avez le mur derrière, vous prenez appui avec les fesses sur le mur. Et s'il n'y a pas du tout de problème lombaire, vous allez pouvoir tendre complètement les genoux, puis descendre de plus en plus bas. Les bras sont relâchés, on regarde bien son nombril. Et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. J'inspire. À nouveau. On enroule tranquillement. Et on déroule lombaire, dorsale, cervicale. Encore deux répétitions, toujours un mouvement fluide. Hein, c'est calé sur votre respiration. On déroule tout doucement. On le fait encore une dernière fois. J'expire, j'enroule, cervicale, dorsale, lombaire. Et on déroule tout doucement.
Vous allez pouvoir relâcher, vous allez pouvoir boire un petit peu si vous voulez. Donc là, on va passer sur le tapis. On garde le bâton, le petit coussin si vous voulez. On va venir s'asseoir tranquillement. Donc les pieds à plat, genoux fléchis. Vous placez les mains à plat sur le tapis, doigts vers l'avant. On s'allonge tranquillement sur le dos. Donc les pieds écartés à peu près largeur du bassin. Ensuite, on place le bassin en position neutre, aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, et on va abaisser les côtes en engageant ses obliques. On est face au petit creux dorso-lombaire. On relâche bien le cou et les épaules. Donc là, on va monter les bras à la verticale volontairement. Les épaules restent bien abaissées. On garde les bras tendus, hein, pas de coup de fléchis, c'est vraiment les bras bien tendus et on maintient. Donc là, on va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment, votre ventre doit se gonfler. Hein. Simplement les côtes qui s'écartent sur l'inspire et qui se referment sur l'expire. La respiration est fluide. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe droite puis la jambe gauche en chaise renversée. Donc les genoux placés à peu près au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol, pieds pointés vers le mur devant. On garde donc les genoux écartés largeur du bassin. On va faire des twists. Donc là, le bâton, les bras ne doivent pas bouger. On expire, on laisse partir légèrement les cuisses et les jambes côté droit en gardant l'écart. J'inspire, je reviens. J'expire, je laisse partir légèrement côté gauche. Donc là, votre bâton ne bouge pas. D'accord? L'important, c'est de bien plaquer vos omoplates contre le tapis. On se concentre sur le travail des muscles de la taille, les muscles obliques. Toujours votre centre engagé. J'expire, je laisse partir doucement. J'inspire, je reviens. Et on essaie d'avoir vraiment de garder l'écart constant entre les deux jambes, entre les deux cuisses. J'expire. Toujours en cherchant à pousser le bâton vers le plafond. Les épaules sont basses, la nuque est longue. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient, dernière fois à gauche. On revient. Ensuite, on va faire des relevés de sacrum. On va faire des petits relevés de sacrum. En même temps, on va rajouter les bras. Donc là, je vais emmener légèrement les bras derrière. Donc, je ne cherche pas à les complètement derrière, mais c'est légèrement derrière. Mes côtes restent bien abaissées. Je vous montre. On va inspirer. En même temps, sur l'expiration, je décolle mon sacrum. Je tire les genoux dans le plafond et j'amène le bâton sur mes tibias. Ensuite, je repose le sacrum et j'emmène légèrement les bras derrière. Je contrôle. Donc, j'expire, je décolle légèrement, j'amène le bâton sur les tibias. Et j'inspire, je reviens. On le fait ensemble, donc n'allez pas trop loin derrière avec vos bras. J'expire, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction. Et puis on inspire, on repose doucement. J'expire. Et j'inspire, j'emmène légèrement les bras derrière, hein, pas trop. J'expire. On partait bien du plancher pelvien, remontez la contraction, toujours un mouvement fluide. J'expire. J'inspire. Encore deux fois, je contrôle. On revient tranquillement. On le fait encore une dernière fois. J'expire. On revient en chaise renversée. On vient placer le bâton derrière les cuisses. Donc là, vous pouvez le tenir avec le bout des doigts si vous voulez. Donc on revient en chaise renversée. Toujours votre centre. On va faire des relevés de buste. On va inspirer sur l'expire. On enroule tout doucement le haut du buste en faisant glisser le bâton. Puis on inspire, on redescend. Je repose à peine ma tête. Et à nouveau, j'expire, j'enroule. Donc poussez vraiment le bâton à chaque fois. Faites glisser le bâton le plus loin possible devant vous. Imaginez avoir une petite balle sous le menton qui empêche le menton de rentrer. Et à chaque fois, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction abdominale. Ça ne gonfle pas au niveau du ventre. On le fait encore une dernière fois. On va rester en position haute. On monte un petit peu les bras pour le 100. 5 battements dynamiques sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Donc avec le bout des doigts, si vous voulez, un coup de tendu. Petit battement qui part des épaules, le haut du buste et le bassin ne doivent pas bouger. Vous tenez votre centre, hein, ça ne gonfle pas au niveau du ventre, aucun mouvement au niveau du ventre. Les côtes restent bien abaissées. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire, 1, 2, 3, 4, vous n'allez pas trop vite non plus. 5 battements, 5 battements. Donc, pour les petits battements, on va allonger volontairement simplement la jambe droite. D'accord? On cherche la précision au niveau des jambes. Donc, le pied, hein, sur la même ligne que mon tibia, et je fais les petits battements. On le fait ensemble. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Encore, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Allongez bien votre jambe droite.
Toujours votre centre, les coudes tendus, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On le fait encore 2 fois. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 5 battements, 5 battements. On change de jambe. Donc j'allonge ma jambe gauche, précis au niveau des jambes, on reste en chaise renversée à droite. Hein. 5 battements, 5 battements. Partez bien de vos épaules. Encore. Hein. Toujours votre centre. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Les coudes restent bien tendus, ça tire trop sur le cou, je repose ma tête. On le fait encore 2 fois, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Allongez bien votre jambe gauche jusqu'au bout des orteils. On le fait encore une dernière fois, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On revient en chaise renversée, one leg stretch. Tête, épaule décollée si vous pouvez, sinon je repose ma tête. Les bras sont tendus. Donc là, on va faire que la jambe droite pour commencer. On va faire les bras en même temps, mais pas trop bas. Allez, on emmène pareil, on cherche pas à emmener les bras trop loin derrière. Donc je vous montre, on va expirer. On met tout doucement les bras, les jambes derrière et j'allonge ma jambe droite, simplement la jambe droite. Et j'inspire. Et toujours précis, à chaque fois, j'aligne ma jambe hein, par rapport à mon pied. Cherchez vraiment la précision. On le fait ensemble, que la jambe droite, j'expire. J'inspire, je reviens. J'expire. Et à chaque fois, on ramène le bâton au-dessus de la poitrine, pas plus. J'expire. Allez, pas trop vite, hein. Contrôlez bien, tendez bien jusqu'au bout des orteils, on revient. On fait jambe gauche maintenant, j'expire. Donc le bassin ne bouge pas, hein, c'est un bloc. Remontez bien votre plancher pelvien, toujours votre centre, que la jambe gauche, précis au niveau de la jambe, et on revient. Les bras sont bien tendus, on revient. Maintenant, on va faire une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On expire, on allonge tout doucement la jambe droite, on emmène les bras derrière, on inspire, on revient. Maintenant, on fait directement jambe gauche, et on revient. N'allez pas trop bas avec les bras derrière, les côtes restent bien abaissées, toujours votre centre engagé, précis, hein. On revient. On le fait encore une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Double leg stretch, les deux bras et deux jambes, toujours les jambes écartées largeur du bassin. On expire, on amène les bras derrière, on allonge les deux jambes vers l'obliquo, puis vous inspirez, vous revenez en chaise renversée. J'expire, j'éloigne, j'inspire. Et là, vous allez pouvoir amenez le bâton au niveau des genoux si vous voulez. On expire, on éloigne et on revient. Bâton au niveau des genoux. J'expire. Plus j'abaisse mes jambes, plus ça va être difficile au niveau abdominaux, au niveau lombaire. Ça tire un peu dans le bas du dos. Si vous sentez que ça creuse au niveau lombaire, c'est que vous êtes descendu trop bas. Donc vous allongez plus vos jambes vers le plafond. D'accord? Plus j'abaisse mes jambes, plus c'est difficile. Ça tire trop sur le cou. Hein. Je repose ma tête. Et puis on peut chercher un peu plus loin derrière si vous pouvez, hein, en tenant bien les côtes, hein, bien engager vos obliques surtout. Contrôlez votre mouvement, je contrôle l'aller, je contrôle le retour. Encore 2 fois. La dernière. On revient en chaise renversée, on repose un peu la tête, on relâche le cou, on tourne la tête à droite et à gauche. Ciseaux, tête et épaules décollées si vous pouvez. Je remonte les bras à la verticale, les mains au-dessus de la poitrine. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu l'angle entre les jambes et les cuisses. On n'est plus en chaise renversée, angle droit, d'accord? On ouvre un petit peu volontairement. On imagine que les genoux sont rouillés, pieds pointés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement entre ma jambe et ma cuisse. Le mouvement, il part des hanches. J'expire sur une cuisse, j'inspire sur l'autre. Tout petit ciseau. Le mouvement, il part bien de vos hanches, hein, sur l'avant de vos cuisses. Le bassin, il ne bouge pas. Le bassin est solide comme un roc. Simplement, les côtes qui s'écartent et qui se referment. En poussant le bâton au plafond, ne forcez pas, hein, sur le cou. Et puis, on augmente progressivement l'amplitude, hein, des ciseaux. Donc, le bassin ne bouge pas. Le bassin est solide comme un roc. Simplement, les côtes qui s'écartent et qui se referment. S'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, on va chercher un peu plus bas. Pensez, hein, les genoux sont rouillés, il n'y a pas de mouvement entre la jambe et la cuisse. Et je contrôle. Le fait encore une dernière fois de chaque côté. On attrape les genoux, on repose la tête, on tourne un peu la tête à droite et à gauche, on relâche bien le cou. Ensuite, on repose tout doucement un pied puis l'autre. Donc les pieds écartés auprès, largeur du bassin. Shoulder bridge, pas de coussin sur la tête pour ce mouvement. Vous allez pouvoir placer le bâton sur vos cuisses. Donc là, on va maintenir une pression constante sur les cuisses. On va inspirer. Sur l'expiration, je remonte le pubis, je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires contre le tapis avec mes abdominaux. Ensuite, je monte le bassin. Donc là, je contracte mes fessiers, mes ischio-jambiers. Donc je pousse le bâton. Hein. Enfin, je pousse mes cuisses avec mon bâton pour créer une résistance. J'inspire, je stabilise en position. Et j'expire, je déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre, je retrouve ma position. J'inspire à nouveau. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. Je presse mes cuisses avec mon bâton. J'inspire autant main droite que main gauche. J'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires. Je retrouve la position. J'inspire à nouveau. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. J'inspire et on déroule tout doucement.
Sinon, appuyez autant pied droit que pied gauche. Donc là, on va rajouter un petit peu, on va faire des petites pulsations, on va inspirer. Donc sur l'expire, on bascule pareil, on monte tranquillement. Une fois que je suis en position haute, j'inspire. Et là, j'expire, je vais faire trois petites pulsations en contractant mes fessiers, en tirant le pubis vers le plafond. Donc j'expire. Toujours la pression avec le bâton sur mes cuisses. J'inspire, je stabilise, j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position. J'inspire, à nouveau, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischios, jambiers. Trois petites pulsations. J'inspire, j'expire, je déroule tout doucement. Petite variante, si vous voulez, les pulsations à faire sur les pointes de pied. Donc je vous monte, j'expire, je bascule, je monte tranquillement. Voilà, j'inspire. Là, j'expire, je passe sur mes pointes de pied, je soulève mes talons, je fais trois pulsations sur les pointes de pied. Ça peut cramper un peu. Ensuite, j'inspire, je repose mes talons et j'expire, je déroule. Si c'est trop difficile, vous faites les pulsations, hein, les pieds à plat. J'inspire, à nouveau, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischios, jambiers, j'inspire, je décolle talon, trois pulsations. J'inspire, je repose talon et j'expire. Ça peut cramper un petit peu au niveau des mollets. Derrière les cuisses également, j'inspire. À nouveau, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischios, jambiers. Toujours la petite pression sur ma cuisse. J'inspire, j'expire, pulsation, talon décollé ou posé, hein, comme vous pouvez. Ensuite, je repose mes talons et je déroule. On le fait encore une dernière fois. J'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischios, jambiers. J'inspire, pulsation, je décolle mes talons. J'inspire, je repose, j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position. On relâche un petit peu, on bascule tranquillement sur le côté. Et pouvoir reposer le ballon, alors le bâton, le ballon, pardon, on va le reprendre après. Donc là, on s'installe sur la tranche du corps. S'il y a des problèmes d'épaule, c'est le side kick. Pour mettre le bras devant, placer le coussin sous votre tête. Donc les deux jambes sont en tension, j'aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, bien abaisser les côtes. On relâche le cou et les épaules. Vous pouvez mettre les doigts devant pour vous équilibrer, mais sans mettre tout le poids du corps, hein, sur la main si vous pouvez. Donc les genoux sont tendus, les pieds sont pointés. Les deux pieds sont pointés. Le petit creux toujours entre la taille et le tapis, hein, si vous pouvez. Partez bien de votre centre. Et là, on fait les deux jambes, que les jambes. Le buste ne bouge pas. On va inspirer. Sur l'expire, on soulève les deux jambes simultanément. Puis on inspire, on redescend doucement. J'expire. Je redescends doucement. Donc je me concentre sur les muscles de la taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Le bassin, il ne bouge pas du tout, hein. Cherchez l'allongement de vos jambes, bien contracter l'avant de vos cuisses. Les genoux sont tendus, les pieds sont pointés. Le bras d'appui est bien lâché. On le fait encore une dernière fois. On reste en position, on fait les petits ciseaux de jambes. J'inspire une jambe devant, une jambe derrière. Donc partez bien de vos hanches, hein. Pas de genoux fléchis si vous pouvez, mais c'est avoir les genoux tendus au maximum. Il faut contracter l'avant de vos cuisses, hein, pour tendre vos genoux. Les pieds sont pointés en contractant les mollets. Et on cherche l'allongement de la colonne. Sans bouger le bassin, j'inspire, j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On garde les deux jambes serrées, là, les jambes légèrement décollées du sol. Et si vous pouvez, vous placez l'autre bras comme ceci et on maintient un petit peu l'équilibre. Les paumes noires sont face à face, les épaules sont basses. Tirez sur vos jambes, toujours en aspirant votre nombril. Une dernière respiration latérale thoracique. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Swan dive. Donc là, vous pouvez mettre le petit coussin sous le bas du ventre, hein, si vous voulez, si vous avez des problèmes lombaires. Vous allez pouvoir placer le bâton devant vous. On va venir placer les mains sur le bâton, parce qu'on va faire rouler le bâton, en fait. Donc les paumes de main ou les doigts sur le bâton. Les jambes tendues largeur du bassin. On appuie sur le dos des pieds. Les bras tendus dans le prolongement de vos épaules. Petite bascule du bassin pour retrouver la position. On a donc le pubis qui vient en contact avec le tapis. Les épignacs décollent. On engage le centre. On abaisse bien ses côtes. On contracte les fessiers. On contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux. Les pieds sont pointés en contractant les mollets. Le menton rentre un petit peu sur la poitrine. On va inspirer. Donc là, je vous montre. On va inspirer. Soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale, hein, notamment dans le haut du dos. En même temps, vous allez faire rouler le ballon, le bâton, excusez-moi, donc le bâton vers vous. Et ensuite, hop, on laisse partir le bâton devant. Vous faites, c'est vraiment un tout petit mouvement. On fait rouler tranquillement. Donc j'inspire, je fais rouler vers moi. Je prends un puits avec mes doigts, avec mes mains. Et puis j'expire, je laisse repartir. Donc ne levez pas complètement le menton, sinon vous stressez vos cervicales. Vous pouvez lever un petit peu, regarder légèrement le bâton devant, mais très léger, hein, et on expire. Donc important quand vous montez, c'est de bien abaisser vos épaules, bien fixer les points des omoplates, hein, sur les poches du pantalon. Donc j'inspire, je glisse mes omoplates sur les poches du pantalon, regarde légèrement le bâton, et puis on expire. Vous ne lâchez pas au niveau du ventre, hein, bien aspirez votre nombril,
et on fait rouler simplement. C'est vraiment un tout petit mouvement. Je fais rouler vers moi, hop, quand je monte, et je laisse repartir le bâton devant. J'inspire, j'essaie d'appuyer autant main droite que main gauche. Et puis, s'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, on essaie de monter un petit peu plus sur l'extension. Toujours en tirant sur vos jambes. Hein. J'inspire, je monte doucement. On travaille les muscles spinaux, on travaille également derrière les bras et les triceps et les grands muscles du dos, les grands dorsaux. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. Une dernière, on reste un petit peu en position haute. Tirez bien sur vos jambes, aspirez votre nombril. On garde légèrement le bâton, mais pas trop, sinon on stresse les cervicales. Hein. Une dernière respiration thoracique. Et on redescend tout doucement, on relâche un petit peu. Double leg kick. Donc là, vous allez pouvoir placer le bâton dans votre dos, au niveau du bas du dos. On a les paumes de main tournées vers le plafond, hein, les coudes fléchis. Donc là, le bassin est toujours en position neutre, hein, votre centre engagé. On prend la pilates position, rotation externe des hanches. Vous ouvrez les hanches avec les fessiers, vous pressez vos talons avec les adducteurs, les genoux tendus, pieds pointés. Ensuite, on va fléchir les genoux, on amène talons plafond avec les pieds flex. Je viens poser ma joue droite ou ma joue gauche sur le tapis. Ça, c'est la position de départ. Donc, j'ai le bâton au niveau du bas du dos, coude fléchi, genou fléchi, talon plafond, pied flex. On va inspirer, tendre les deux jambes. Donc, j'inspire, je tends mes jambes. Mes genoux sont tendus, mes pieds sont pointés. Je soulève le buste, tête dans l'axe. Je rentre menton poitrine, je tire sur les bras, je tends mes coudes, je glisse le bâton vers les orteils. Je reste un petit peu, j'expire, je relâche. Je replace le bâton dans le bas du dos, mes coudes se fléchissent. Simple. J'amène talon plafond avec les pieds flex. Je pose ma joue gauche. J'inspire, je tends mes jambes, je soulève le buste, hein, j'allonge les bras, je fais glisser le bâton vers les orteils. Et on expire, on revient en position de départ. On fléchit les genoux, talon plafond, pied flex, je pose ma joue. J'inspire, je tends et j'expire. Toujours votre centre. Et puis on cherche la fluidité. Donc tendez bien vos genoux, toujours pilates position. Pendant tout le mouvement, vous êtes en pilates position. Hein. Vous ouvrez bien vos hanches, posez bien votre joue à chaque fois, on change de côté. Une fois joue droite, une fois joue gauche. Donc, quand vous montez, hein, les bras bien tendus, tête dans l'axe, on rentre un petit peu le menton et bien prendre l'extension dans le haut de votre dos, sans lâcher au niveau du ventre. Cherchez vraiment à tendre vos bras. On fait glisser le bâton vers les orteils et on expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. J'inspire. Donc, j'allonge, je rentre bien le menton, je dégage mes épaules, j'expire une dernière fois. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Très bien. On repose le bâton, on s'installe sur la tranche du corps pour le side kick de l'autre côté. Donc là, le bras tendu dans le prolongement du buste. S'il y a problème d'épaule, mettez le coussin devant, enfin le bras devant, le coussin sous la tête. Hein. Les deux jambes sont en tension. On engage le centre. On aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Donc les côtes restent bien abaissées, hein, bien engagé votre centre. Le petit creux toujours entre la taille et le tapis. Les doigts devant si vous voulez, on fait que les jambes. On va inspirer, sur l'expire, on soulève les deux jambes simultanément, puis on inspire, on redescend doucement. Donc là, je me concentre, hein, sur le travail des muscles à taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Le mouvement est fluide. Hein. Cherchez vraiment l'allongement de vos jambes. C'est d'abord le centre et puis ensuite le mouvement. Je contrôle. Encore deux fois. La dernière, on reste en position, tous les petits ciseaux de jambes. J'inspire sur une jambe, j'expire sur tout petit ciseau. Pas trop loin devant, pas trop loin derrière, mais essayez de vraiment équilibrer, pas que devant. On passe bien derrière, ça crée un peu plus d'instabilité. Toujours votre centre engagé. Les deux jambes sont en tension. Cherchez la fluidité, hein, c'est calé sur votre respiration. Et je contrôle. J'inspire, j'expire. Encore une dernière fois de chaque côté. On garde les deux jambes tendues, serrées, légèrement décollées. Et si vous pouvez placer l'autre bras, hein, comme ceci, les paumes de main sont face à face. On maintient, les côtes sont bien rentrées, on maintient l'équilibre. Une dernière respiration latérale thoracique. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va venir s'asseoir tout doucement. Vous allez pouvoir récupérer le coussin et le bâton. Donc le petit coussin dans le bas du dos. On récupère le bâton entre les mains, les jambes écartées largeur du bassin, les pieds sont flex, préparation, mouvement qui s'appelle neck pull. Soit vous mettez le bâton au niveau de la poitrine, soit au niveau de la nuque derrière, donc pas, enfin la nuque au niveau des trapèzes, hein, pas sur la nuque, hein, d'accord, mais bien posé sur vos trapèzes. Si vous ne pouvez pas, si vous sentez que c'est au niveau de la nuque, ça tire trop sur votre cou, vous mettez au niveau de la poitrine. Donc là, épaules basses, le dos le plus droit possible. On va inspirer sur l'expiration, on descend dos droit. Donc je descends mon dos bien droit, j'inspire, je stabilise.
et j'expire, je reviens en position de départ. J'inspire, je stabilise. J'expire, je descends légèrement. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je reviens. Juste ça, on le fait ensemble. Donc j'expire, je descends. Mes jambes tendues, pieds flex. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je reviens en position de départ. J'inspire. On expire, on descend. Toujours votre centre engagé. J'inspire. J'inspire. À nouveau. J'expire. J'expire, je descends légèrement. J'inspire, je stabilise. J'expire, je reviens. Encore deux fois. On expire, on descend. J'inspire, je stabilise. Je reviens. On le fait encore une dernière fois. Et on revient en position de départ. On relâche un petit peu, roll-up. Les mains écartées, largeur du bassin, les pieds sont pointés vers le mur devant. Donc là, on va commencer comme sur un sparring stretch. Je vous montre, les bras sont parallèles au sol. On n'a pas la tête qui passe entre les bras. Donc je vais enrouler tranquillement cervical, dorsal, lombaire. J'imagine avoir un mur derrière. Je garde mon bas, le dos plaqué contre mon mur, contre le mur derrière. Mes bras sont tendus, mes épaules sont basses. Donc je vous montre, on va inspirer. Sur l'expire, je bascule le bassin, je creuse le ventre, je descends tranquillement. Mes bras restent parallèles au sol. J'inspire, je stabilise. J'expire, je creuse le ventre, je m'enroule vers l'avant. D'accord? Donc là, je creuse mon ventre. Je pense qu'il y a le mur derrière, donc je ne cherche pas à emmener mon bassin vers l'avant. J'ai toujours le bas du dos plaqué contre le mur. J'enroule, cervical, dorsal, lombaire. Et ensuite, j'expire, je descends tranquillement. Je creuse mon ventre, j'inspire. Et à nouveau, j'enroule tranquillement. Je suis un peu plus loin devant. Mes épaules restent bien abaissées, hein, toujours en creusant mon ventre. Donc on va le faire ensemble. Bras tendus, épaules basses, les jambes tendues, pieds pointés. On va inspirer. Sur l'expire, j'enroule par-dessus la barrière, comme sur le sparring stretch. Hein, vous creusez votre ventre. Les bras sont parallèles au sol. Ça, c'est la position de départ. J'inspire, j'expire. Je creuse le ventre. On descend tranquillement. J'inspire et j'enroule directement. Hein, on ne revient pas en position. On enroule directement. Les bras parallèles au sol. Je creuse bien le ventre. On étire la chaîne postérieure. J'inspire. J'expire. S'il n'y a pas de problème lombaire, on descend un petit peu plus bas, hein, progressivement. J'inspire. Donc là, bien chercher à vous enrouler. Vous creusez votre ventre. Les bras sont parallèles au sol, épaules bas. J'inspire. Et s'il n'y a pas de problème lombaire, on descend de plus en plus bas. Vous pouvez venir plaquer vos lombaires, dorsales, poser votre tête. Je garde le bâton dessus de la poitrine et j'expire. J'enroule doucement. Et je reviens en position de départ. J'inspire. À nouveau, j'expire. On garde le bâton dessus de la poitrine involontairement, les côtes restent bien abaissées, bras tendus, j'inspire, j'expire, j'enroule tout doucement, je creuse le ventre. On tire le nombril vers le mur derrière, j'abaisse bien mes épaules et j'expire. Encore deux fois, en descendant tranquillement, les côtes restent bien abaissées, j'inspire, je stabilise, j'expire, j'enroule. Si il y a des problèmes lombaires, vous faites un petit mouvement, vous ne forcez pas. On essaie de grappiller encore un petit peu sur le stretch devant. Et à nouveau, une dernière fois, j'expire, je bascule, je creuse le ventre. J'imprime mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, mes côtes restent bien abaissées, j'inspire, j'expire, j'enroule. On enroule tranquillement, je suis loin devant, les bras sont parallèles au sol, la tête reste au-dessus des bras. Et on déroule tout doucement, on revient en position, on relâche un petit peu. Spine twist. Donc là, vous allez pouvoir écarter vos jambes au maximum si vous pouvez, sinon on fléchit un petit peu les genoux ou les plantes de pied face à face, hein, ça attire trop au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des ischio-jambiers. Donc là, on pousse sur les points des fesses, on retrouve la position neutre. Vous allez pouvoir placer les mains donc, sur le bâton, écarter à peu près la largeur de vos épaules, épaules basses. Les bras sont bien tendus. On va inspirer. Attention qu'il n'y ait pas autour de vous, hein, qu'il n'y ait pas de meubles ou d'objets qui craignent. On va faire des rotations. Donc on va inspirer. Sur l'expire, je fais une rotation du haut du buste. J'inspire, je reviens. Et là, j'expire, je monte tout doucement le bâton dessus ma tête, si je peux, sans que mes épaules remontent et sans que mes côtes se soulèvent. Je reviens en hauteur de la poitrine et j'expire rotation de l'autre côté. Donc pensez à toujours le centre du bâton dans l'axe de votre sternum. Les bras, ils ne bougent pas. Le mouvement, il part bien de la taille, il ne part pas des épaules. Donc j'expire rotation, c'est le bloc complet. Je reviens, j'expire, je monte. Sans que mes épaules remontent, j'inspire, j'expire. J'expire. Et apprenez à se monter de plus en plus au-dessus de la tête, hein, si vous pouvez, sans que les épaules remontent. On essaie de grappiller un petit peu. Et pareil sur les côtés, hein, sur la rotation. Je suis un peu plus loin sur la rotation, sans que les pieds glissent, sans que le bassin bouge. La tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Toujours un mouvement fluide. Hein. J'inspire, j'expire, rotation, j'accompagne du regard. J'inspire, je reviens. Je suis encore un petit peu plus loin sur la rotation si vous pouvez.
fait encore une dernière fois de chaque côté. On grappille un petit peu sur le côté, on grappille un petit peu quand on monte le bâton au-dessus de la tête. Si vous appuyez autant fesse droite, fesse gauche, et toujours votre centre. Hein. On revient en position de départ et vous allez pouvoir relâcher un petit peu les bras, les épaules. On va passer ensuite en position, on va reposer le bâton, on va passer en position à plat ventre pour le swimming. Donc là, vous pouvez mettre le petit coussin sous le bas ventre hein, si vous voulez. Les jambes tendues à la largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. Les bras tendus dans le prolongement de vos épaules. Hein. Les paumes de main tournées vers le tapis. Donc, petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On a le pubis qui vient en contact avec le tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril. On abaisse les côtes. On contracte les fessiers. On contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux. Les pieds sont pointés vers le mur derrière. On soulève un petit peu le haut du buste avec les muscles spinaux, la tête d'école, le menton rentré. Et là, on va faire simplement bras droit, jambe gauche. Donc, je garde le bras gauche et la jambe droite posée. Donc, on va inspirer. Sur l'expiration, on soulève tout doucement bras droit, jambe gauche. On inspire, on descend sans reposer si vous pouvez. Donc, ne cherchez pas à aller trop non plus. Hein. D'accord? Petit mouvement. Donc, toujours votre centre. Hein. Bien appuyer votre sacrum sur le tapis. On fait bras droit, jambe gauche. Donc, la jambe gauche, il faut bien la tendre. Hein. Vous contractez bien l'avant de votre cuisse. Vous tendez bien le genou, pied pointé. Le bras droit est bien tendu, mais il ne faut pas que l'épaule remonte vers l'oreille. Hein. L'épaule reste bien abaissée. On le fait ensemble. Donc là, vous allez pouvoir appuyer sur votre main gauche et sur votre jambe droite. J'expire, je monte doucement. Je redescends sans reposer si vous pouvez. J'expire. Petit mouvement. N'allez pas trop vite. Hein. Contrôlez bien. Donc cherchez vraiment l'allongement des deux jambes. Vous appuyez sur la main gauche et sur la jambe droite dans le tapis, hein, dans le sol. Petit mouvement. Hein. Contrôlez. J'expire. J'inspire. Encore deux fois. Menton rentré. La nuque est longue. La dernière, on reste en position. Donc là, on contracte bien le fessier, l'avant de la cuisse, hein, les mollets, enfin le mollet. Tirez bien sur votre jambe. Dernière respiration thoracique. On repose bras-jambe. Toujours votre centre, même chose. On décolle bras gauche, jambe droite. Hein. Bras bien tendus, épaules basses. On contracte bien le fessier derrière, à droite, hein, l'avant de la cuisse, le mollet. J'expire, je monte doucement. J'inspire, je redescends. Sans bouger le buste, sans bouger le bassin. Petit mouvement. Je contrôle en montant. Je contrôle en descendant. Hein. C'est fluide. J'expire. J'inspire. Ne lâchez pas votre centre. Toujours le menton rentré, encore deux fois. La dernière, on reste en position, on maintient. J'inspire, j'expire. Une dernière respiration thoracique. On repose. Maintenant, on va décoller bras et jambes, les deux bras et deux jambes. Même si vous ne décollez pas beaucoup, ce n'est pas grave. Hein. Et on va rester en position. Donc, toujours votre centre engagé. On décolle légèrement bras-jambes, mais on reste en position. Menton rentré, les épaules sont basses. Contractez bien vos fessiers. L'avant de vos cuisses, important de vos genoux. Les mollets pour avoir les pieds pointés. Tirez sur vos jambes. Allongez bien votre nuque. Hein, grandissez-vous. Une dernière respiration latérale thoracique. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On passe en appui sur les mains, en appui sur les genoux pour le leg pull pro, un travail de gainage. Donc, vous allez pouvoir placer les mains sous les épaules. S'il y a des problèmes de poignets ou pas, si on appuie sur les poings, on appuie sur vos avant-bras. Donc, on replace le bassin en position neutre. On engage le centre. On abaisse bien ses côtes. Pensez à pousser sur les mains. Comme on a vu la semaine dernière, on ne doit pas pincer les omoplates. Hein, bien chercher à écarter vos omoplates. Hein. Donc, ce mouvement, il faut le travailler. Hein, la rétraction, protraction pour bien sentir le placement des omoplates. Hein. Donc, là, je maintiens cette position. Là, vous allez pouvoir prendre appui sur vos orteils. Passer en position. Donc, genou tendu. On cherche l'alignement. Cheville, genou. Hanche, épaule, oreille. Donc, pas les fesses vers le plafond, hein, si vous pouvez. Attention de ne pas lâcher le ventre, hein, de ne pas creuser. Donc, le petit bascule du bassin, je pousse fort sur les mains, j'écarte mes omoplates. Soit vous restez dans cette position sans bouger, vous faites juste les respirations latérales thoraciques. Donc, j'inspire, mes côtes s'écartent, j'expire, elles se referment. Sinon, plus difficile, on va inspirer. Sur l'expiration, on va amener le genou droit vers le coude gauche. On va venir croiser. Et puis, on inspire, on repose dans l'axe. On expire, on amène le genou gauche vers le coude droit. On vient croiser et on inspire, on repose dans l'axe. Donc n'allez pas trop vite. J'expire. Repositionnez bien à chaque fois dans l'axe. J'expire. Voilà, on cherche vraiment le genou. On va doucement et on revient doucement. J'expire. Poussez fort sur vos mains. Ne lâchez pas votre centre. Hein. J'expire. On croise. On va chercher le genou opposé. Par l'intérieur, j'expire. On cherche à éloigner les épaules du bassin. Toujours un mouvement fluide, hein, calé sur votre respiration, sans bouger le bassin, sans bouger le buste. J'expire.
On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Calé sur votre respiration. On repose un genou plutôt. On vient s'asseoir tranquillement sur les talons. On étire un petit peu ses bras, son dos. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend un appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre, on s'installe sur le côté pour le side bend. On va passer un appui sur l'avant-bras, le coude placé sous l'épaule. La main est à plat, les genoux sont fléchis. On a les deux cuisses et deux jambes l'une sur l'autre, talons près des fessiers. On ouvre un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. S'il n'y a pas de problème de poignet, je passe sur la main, doigt vers l'extérieur. On rentre un petit peu le coude. On garde l'épaule abaissée, il ne faut pas que l'épaule remonte, donc bien contracter les muscles de la taille. Donc là, le side bend, on va faire deux side bends simplement. On va simplement monter hein, le bassin au plafond, le bras autour de l'oreille, paume non tournée vers le sol, d'accord? On va le faire deux fois. Ensuite, on va rester en position et après, on va faire des twists. Donc le twist, j'expire, je pivote. Hein, le bras, donc, il passe dans le trou. On emmène la main derrière. On regarde sa main sans s'écrouler dans le tapis. Hein, on garde le bassin soulevé et ensuite, je replace le bras perpendiculaire. Je regarde mes doigts, j'expire, je suis mes doigts. Ouais, il ne faut pas que l'épaule descende, il ne faut pas que le bassin descende, on garde le bassin soulevé. Donc, soit vous pouvez le faire également hein, sur l'avant-bras comme ceci, d'accord? Vous pouvez le faire également option pied comme ceci, hein, d'accord? On revient, et sinon option pied et main comme ceci, d'accord? Et on revient. Donc, on va commencer par le side bend, on en fait deux et après on passe directement au twist. Prenez l'option que vous voulez, on engage bien le centre, on va inspirer. Sur l'expire, donc je monte side bend, on fait deux fois. Hein. On compte, on n'allait pas trop vite, on redescend, on repose à peine. Ensuite, on revient. Le bras, donc perpendiculaire par rapport au buste, on fait le twist. J'expire, je pivote. Hein. J'inspire, je reviens. On regarde ses doigts si vous pouvez. J'expire. Ça tire trop sur l'épaule. Hein. Ne forcez pas, changez d'option. J'expire. Et je contrôle. Hein. Encore trois fois. Donc là, on contracte vraiment, on sent bien le travail au niveau des muscles de la taille, au niveau des muscles de l'épaule également. La chaîne latérale travaille. On le fait encore une dernière fois. J'expire. On revient. On reste un petit peu en position. Une dernière respiration thoracique. Et on descend tranquillement. On relâche un petit peu. On place la main sur le tapis. La paume de main tournée vers le plafond. On pousse le plafond avec la main. J'abaisse mes épaules. J'abaisse mes côtes. On maintient l'étirement sur la chaîne latérale. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On passe en appui donc sur les mains, en appui sur le genou pour le push-up, c'est la pompe. Donc, si y a des problèmes de poignet, vous passez en appui sur vos poings comme ceci. Hein. Donc, les mains, vous allez pouvoir les écarter un petit peu plus que la largeur des épaules. Hein. Les doigts vers l'avant. Plus on va rapprocher les genoux des mains, plus ça va être facile. Plus on va éloigner, plus ça va être difficile. Donc, après, c'est à vous d'ajuster. Donc, quand vous descendez, c'est pas je descends avec les fesses en arrière. Je cherche à emmener la poitrine sur la ligne des mains. Ma tête va passer en avant des mains. Donc, je descends la poitrine sur la ligne des mains et ensuite je repousse sans creuser au niveau lombaire. Donc, l'important de bien abaisser les côtes, donc bien engager vos obliques hein, et de ne pas pincer vos omoplates non plus. On va le faire ensemble. Donc, plus je rapproche mes genoux, plus c'est facile. Plus on éloigne, plus c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à rapprocher au départ et éloigner un petit peu après. Donc, le bassin en position neutre, on engage le centre. On pousse sur les mains, on écarte les omoplates, épaules basses. On va inspirer. Sur l'expiration, on fléchit les coudes. Les coudes s'écartent, on descend la poitrine sur la ligne des mains. Et toujours sur l'expiration, vous remontez. Tout le mouvement se fait sur l'expire. On descend et on remonte sur l'expiration. Donc j'expire. J'inspire, je stabilise. J'expire, je descends, je repousse. J'essaie d'appuyer autant main droite que main gauche. Je me concentre sur les muscles de la poitrine, les grands pectoraux, l'avant des épaules. Les muscles des bras. Si c'est un petit peu difficile, vous rapprochez vos genoux. Donc pensez descendre vraiment la poitrine sur la ligne des mains. Et si c'est trop facile, vous reculez un petit peu vos genoux et on cherche à descendre un peu plus. On va essayer de vraiment descendre complètement. C'est de faire un mouvement complet. On descend maximum et on remonte bien à chaque fois, à la sensation. On descend et on remonte. On descend. On remonte. On descend. Encore deux fois, j'expire. La dernière, on va rester en position basse. On maintient la position. Donc, toujours votre centre engagé. Une dernière respiration thoracique.
Et on remonte tout doucement, on vient s'asseoir tranquillement sur les talons. On étire un petit peu ses bras, son dos. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. On s'installe de l'autre côté pour le side bend, on va passer un appui sur l'avant-bras. Donc le coude sous l'épaule, la main est à plat, les genoux sont fléchis tellement près des fessiers. On ouvre un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. S'il n'y a pas de problème de poignet, je passe sur la main, doigt vers l'extérieur, on rentre un petit peu le coude, j'abaisse bien mon épaule, j'engage mes obliques, hein, je contracte les muscles de la taille, j'engage mon centre. Donc deux side bends et après on passe directement au twist. Hein. Prenez l'option que vous voulez. On va inspirer sur l'expiration. Donc je monte tranquillement. Le premier side bend, j'inspire. Le deuxième, on va rester en position. Donc là, on replace le bras vers le plafond. J'expire, je fais mon twist. On regarde la main derrière. Et j'inspire, je regarde ma main vers le plafond. J'expire, je pivote. N'hésitez pas à changer d'option, c'est un peu difficile. Si vous êtes sur les pieds, c'est de bien tendre vos genoux. Le bassin ne descend pas, l'épaule non plus. Hein. Toujours votre centre. On pousse fort dans la main d'appui. On cherche la fluidité. J'expire le twist. On travaille toute la chaîne latérale. On le fait encore une dernière. On revient, on reste un petit peu en position. Une dernière respiration thoracique. Et on redescend tout doucement. On relâche un petit peu. On place le pied à l'intérieur de la cuisse. La main sur le tapis. On monte le bras. On pousse dans le plafond. J'abaisse mes épaules. J'abaisse bien mes côtes. On maintient l'étirement sur la chaîne latérale. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. Donc là, vous allez pouvoir récupérer le bâton et le coussin. On va venir placer le coussin dans le bas du dos pour le teaser. On va venir placer le bâton derrière les cuisses. Donc là, on place le bâton derrière les cuisses. Les mains, on récupère le bâton de chaque côté. Les paumes de main tournées vers le sol. Les coudes levés, un petit peu en ouverture. Donc là, on va se redresser, passer en position neutre au niveau du bassin. On pousse sur les points des fesses. Vous allez pouvoir resserrer vos pieds, resserrer vos genoux et garder les coudes tirés un petit peu pour travailler un petit peu les muscles de votre dos. Donc, cherche à tirer les coudes. Hein. Je tire sur mes cuisses avec le bâton et je maintiens. Et là, vous inspirez, vous expirez. Ensuite, on va descendre tranquillement. On bascule tranquillement le bassin et on revient en position neutre. Petite bascule. Donc là, j'arrondis hein, comme sur un début de roll-up. Hein. Et je reviens en position neutre. J'expire et je reviens. Et là, on revient, on appuie sur les points des fesses, sur les ischios. Donc là, on bascule, on est en arrière des ischios, on n'est plus sur les points des fesses et je reviens sur mes ischios. On le fait encore deux fois. On revient. Dernière. Donc là, on va rester en flexion lombaire. On n'est plus sur les points des fesses, on est en arrière des ischios. Toujours votre centre engagé. Par contre, on va chercher à redresser le haut du buste. D'accord? On redresse, mais sans lâcher au niveau du ventre. Toujours en tirant un peu sur mes cuisses, en tirant mes coudes vers l'arrière et coudes un petit peu levés. Mes épaules sont basses et je maintiens cette position. Donc, pas ça, hein, mais cherchez vraiment à redresser le haut du buste, mais sans lâcher le ventre. Toujours en flexion lombaire. Donc, je maintiens cette position, mes genoux, mes pieds sont serrés. On va inspirer, allonger tout doucement la jambe droite, ce que vous pouvez. Et on expire, on repose. On inspire dans nos jambes gauches. Et j'expire. Je contrôle. C'est d'avoir les genoux bien serrés si vous pouvez. Et après, si vous pouvez tendre contre complètement votre jambe, vous tendez complètement. Et on expire. Toujours en tirant sur vos cuisses, en redressant le haut du buste. On n'est pas en apnée. J'inspire. J'expire. Le mouvement est fluide. J'inspire. J'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On décolle les deux pieds. Donc, soit vous placez vos jambes parallèles au sol, pieds pointés comme ceci, soit vous pouvez descendre un petit peu plus. Si ça tire trop, bah, vous reposez vos pieds. Si vous pouvez tenir comme ça, vous tenez. Là, vous allez pouvoir serrer vos genoux, serrer vos chevilles. Vous pressez l'intérieur pour bien engager l'intérieur de vos cuisses, hein, les adducteurs. Donc, petit mouvement. On expire, on descend tranquillement. J'allonge un petit peu mes bras. D'accord? Et j'inspire, je reviens. Je redresse en m'aidant avec le bâton. Je tire sur mes cuisses, je tire mes coudes derrière pour travailler les muscles du dos. J'expire, je descends, j'allonge un petit peu mes bras. Mes jambes, mes cuisses ne bougent pas normalement et j'inspire, je redresse. J'expire.
Partez bien du plancher pelvien, remontez la contraction, essayez de prendre autant à droite qu'à gauche, toujours en pressant vos chevilles, en pressant vos genoux. On redresse bien, j'expire, j'inspire, je reviens. J'expire, je descends, j'inspire. Encore deux fois, hein. C'est calé sur la respiration. On redresse. Une dernière. On revient en position. On ne fait que les jambes. On va inspirer, monter doucement les deux jambes ce que vous pouvez. Puis on expire, on redescend. Toujours en tirant sur vos cuisses avec le bâton. Les coudes restent ouverts. Les épaules sont basses. Vous gardez vos genoux bien serrés. Si vous pouvez tendre vos jambes, vous tendez. Hein. Vous ne forcez pas. Sinon, faites juste un petit mouvement, juste ça. Voilà. Hop, et vous revenez. Après, si vous pouvez partir à l'horizontale. Donc là, hop, et revenir à l'horizontale. Sinon, bah, n'hésitez pas à redescendre un petit peu plus bas. Hein. Et monter un peu moins, voilà. Juste un petit mouvement. Redressez bien le haut du buste, hein, ne lâchez pas votre centre. Cherchez la fluidité. Encore deux fois. La dernière. Et là, on va rester en position. Cherchez à allonger ses jambes, tirez bien sur vos cuisses, redressez le haut du buste, pressez vos chevilles. On n'est pas en apnée, hein. J'inspire, j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on fléchit, on relâche un petit peu. On décontracte un petit peu. Très bien. On garde le bâton. Vous pouvez récupérer le coussin si vous voulez. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc les pieds à plat, genoux fléchis, les mains à plat, doigts vers l'avant. On s'allonge tranquillement sur le dos. On replace le bassin en position neutre. On engage le centre. On abaisse bien ses côtes. On relâche le cou, les épaules. Sur l'expiration, on amène la jambe gauche en chaise renversée. On place le bâton derrière la cuisse. On va essayer de tendre tout doucement le genou avec le pied pointé. Donc là, vous tirez un petit peu sur votre cuisse. Cherchez à tendre votre genou. Le pied pointé vers le plafond, les épaules sont relâchées et je maintiens la position. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Après, vous pouvez tirer un petit peu plus la cuisse vers vous à la sensation, sans forcer. On cherche l'allongement de la colonne du coccyx au sommet du crâne et l'allongement de la jambe jusqu'au bout des orteils. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche un petit peu. À nouveau, on tend le genou. On va amener le pied flex. Donc, vous allez pouvoir pousser le talon gauche vers le plafond. Tendre le genou si vous pouvez. Après, vous pouvez chercher à tirer un petit peu la cuisse vers vous à la sensation. Vous poussez le talon vers le plafond. Vous cherchez l'allongement de la colonne. Après, vous pouvez monter un peu le bâton. Hein, ça dépend de votre souplesse. Montez au niveau de votre jambe et tirer un peu plus vers vous. Hein, toujours en vous grandissant. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Sinon, je garde le bâton derrière ma cuisse. Hein. Toujours pied flex pour l'étirement au niveau du mollet. Et puis, on tire encore un peu sans forcer. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On fléchit, on repose tout doucement, on relâche un petit peu. Ensuite, sur l'expiration, on amène la jambe droite en chaise renversée. On place le bâton dans la cuisse, toujours votre centre engagé. On va essayer de tendre tout doucement le genou droit si vous pouvez. Le pied droit est pointé vers le plafond. On maintient. Et là, vous inspirez, vous expirez. Relâchez bien vos épaules, grandissez-vous. Là, vous pouvez tirer un peu la cuisse vers vous. Hein. Vous lâchez plus haut au niveau de la jambe. Là, ça dépend de votre souplesse. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. On tire encore un petit peu la cuisse vers soi. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche un petit peu. À nouveau, on tend le genou. Donc, le pied flex, vous poussez le talon au plafond. Essayez de bien tendre votre genou. On tire légèrement la cuisse. Donc, on met le bâton derrière la jambe hein, si vous voulez. Et puis, vous tirez tranquillement, toujours en vous grandissant. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Donc, là, on cherche l'étirement derrière la cuisse au niveau des ischio-jambiers et derrière la jambe au niveau du mollet. On peut tirer également derrière le genou au niveau du quadruplité. Étendez bien vos épaules surtout.
Je vais essayer de tirer encore un peu plus. On essaie de grappiller encore un petit peu. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche pour ensuite reposer. Le bâton, reposer un pied puis l'autre. Sur l'expiration, on amène une jambe puis l'autre en chaise renversée. On attrape les genoux. On tire les genoux à la poitrine. Les épaules sont détendues et on maintient l'étirement au niveau du bas du dos. Relâchez bien vos épaules. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Tiens encore un petit peu sur les genoux, tout doucement, progressivement. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Donc, soit vous gardez vos pieds à plat sur le tapis, soit on allonge complètement ses jambes. Au choix, on relâche les bras, le ventre, les cuisses, les jambes. On va placer les mains sur le ventre. On va prendre la respiration naturelle, la respiration abdominale. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Et j'expire petit filet par la bouche. Le ventre se dégonfle naturellement. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, le ventre se dégonfle. On va prendre la respiration de Muller pour étendre notre diaphragme. Inspirez à nouveau, le ventre va se gonfler. Et j'expire petit filet par la bouche. On va essayer de vider au maximum l'air qui se trouve dans les poumons. Donc là, videz, videz, videz jusqu'au bout. On vide, on vide, on vide, on vide au maximum. Ensuite, vous bloquez votre respiration. Sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément par le nez, vous gonflez au maximum et pff, vous lâchez tout. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche, en vide, en vide, en vide, en vide, au maximum, jusqu'au bout, en vide, en vide, en vide, en vide, en vide. Ensuite, vous bloquez votre respiration. Sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et pff, vous lâchez tout. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche. On vide, on vide, on vide, on vide jusqu'au bout. On vide au maximum. On bloque sans respirer. Vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et vous lâchez tout. Encore deux fois, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide au maximum, hein, vider, vider, vider jusqu'au bout. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et pff, vous lâchez tout. Une dernière fois, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide, on vide, on vide, on vide au maximum jusqu'au bout. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et pff, vous relâchez. On reprend la respiration naturelle, la respiration abdominale. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, petit filet par la bouche. Le ventre se dégonfle.
Une dernière respiration abdominale. On repose tout doucement un pied puis l'autre à plat sur le tapis. On bascule tranquillement sur le côté, droit ou gauche. On passe en appui sur les mains, on appuie sur les genoux, on passe en appui sur les orteils. J'expire, je monte les fesses sur le plafond, je creuse mon ventre et je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Et c'est terminé. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez bien travaillé. La séance vous a plu. Voilà. Donc, surtout, hein, important, comme je disais la semaine dernière, hein, important, c'est vitamine C, vitamine D pour booster les défenses immunitaires. Gérer le stress, hein, c'est magnésium et cohérence cardiaque matin, midi et soir. La respiration de Müller fait du bien également pour détendre le diaphragme. Donc, ça, vous pouvez la faire également le soir avant de vous endormir. Ça fait un bien fou. Et puis, pensez toujours à hein, vos enroulés tous les jours. Les quatre planches, hein, le gainage, c'est pas long à faire. C'est super efficace. On rééquilibre toutes les chaînes musculaires. Hein. Les quatre planches qu'on avait vues avant les vacances, hein, qui sont également sur la chaîne YouTube. Hein. Donc, ça, il faut vraiment les faire hein, tous les jours si vous pouvez. Et puis, bah, les séances hein, d'une heure, si vous pouvez les faire, l'idéal, c'est d'en faire trois par semaine. Déjà, une, déjà, c'est bien. Hein. Mais après, si vous pouvez en faire un peu plus, bah, c'est encore mieux. Voilà. Donc, salut Daniel. Merci, bonne année à toi également. Salut Magali, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Salut Daniel. Bah, bonjour Delché, c'est cool. Donc voilà. La semaine, bah, mercredi, hein, pareil, cours à 18h. Samedi, cours à 11h. Et ensuite, la semaine prochaine, cours sans matériel. Tout le mois de janvier, bah, je continue, hein, forcément, parce qu'on n'a pas encore l'autorisation de reprendre en présentiel. On croise les doigts pour début février, parce que ça commence à faire un petit peu long. Et voilà, donc on y croit pour début février. Merci Magali, bonne journée à toi. Merci Laurence, bonne journée, à bientôt. Et surtout, hein, faites vos mouvements régulièrement et pensez à vitamine C, vitamine D, c'est super important. Même le zinc également, hein, c'est super important contre le virus. Ça marche, la supplémentation, c'est super important. Voilà, donc merci Sylvie, bonne année à toi également. Plein de bonnes choses. Merci, Joël. Bonne journée. Merci, Daniel. C'est super gentil. Bonne semaine. Merci, Magali. Donc, la semaine prochaine, hein, le cours sans matériel. On fait tout comme d'habitude, hein, une semaine matériel, une semaine sans matériel. Voilà. Et puis encore, merci d'avoir suivi le cours, hein, puis merci pour tous vos petits messages. C'est vraiment super gentil. Salut Réginal, salut Anne. Ben ça, on verra ça pour les séances, on verra ça à la reprise. Tout le monde me demande, ben on verra ça à la reprise. En fait, ça va être plus simple. Pour l'instant, je vais t'envoyer un SMS pour dire qu'il me reste de séance, mais pour l'instant, je ne retire aucune séance et on verra ça à la reprise en direct. Ça va être beaucoup plus simple. Mais en tout cas, merci beaucoup. Salut Edith. Salut Christine. Merci. Merci, bonne semaine, Réginald et Anne. Merci, Brigitte. Bonne semaine. Merci, Christine. Bah, c'est cool, ça vous fait du bien, c'est génial. Hein. Bonne semaine. C'est vrai qu'on a besoin de se détendre, de respirer, hein, de se recentrer sur soi. Oui, Sophie, t'inquiète pas, je pense à toi, je t'envoie un SMS tout de suite après, là. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, bah, je vous souhaite une bonne semaine, hein, peut-être à mercredi, soit peut-être à samedi, sinon à lundi prochain pour le live. Et puis, voilà, donc surtout, faites vos petits mouvements, hein, vos respirations, c'est vraiment super important. Et puis, la supplémentation, hein, vitamine C, vitamine D, magnésium et luminothérapie, ça fonctionne super bien également, comme je disais la semaine dernière. Voilà.
Bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi le cours.